Alors donc bonjour à tous. Nous allons voir dans cette vidéo comment on nomme un alcool et comment reconnaître une molécule d'alcool. Alors une molécule d'alcool est une molécule qui contient un OH et ce OH doit être fixé sur un carbone tétraédrique, c'est-à-dire le OH est fixé sur ce carbone-là et ce carbone ici doit être relié à quatre groupes différents. Ici il est relié à un CH2. Il est relié à un H et il est relié à un autre H. Donc ça veut dire que ici, comme le carbone est tétraédrique et il y a un OH dessus, il s'agit bien d'un alcool. S'il y a une double liaison sur le carbone ici, sur le carbone fonctionnel ou une triple liaison, il ne s'agit pas d'un alcool. Donc ici par exemple, deuxième exemple, on a un OH qui est fixé sur un CH2. Le groupe ici, il est relié à deux H et puis à une autre chaîne de carbone, il s'agit bien d'un alcool. Donc on va passer maintenant à la nomenclature, c'est-à-dire à comment nommer les alcools. Hein. Dans toutes les molécules, hein, on commence par chercher la chaîne la plus longue. Donc ici, la chaîne la plus longue contient 3 carbones. Donc il n'y a qu'une seule chaîne. Hein. Et il faut la numéroter de manière à ce que le OH ait le numéro le plus petit. Donc ici, le OH est sur ce carbone-là. Donc on va donner ce numéro ici, 1, 2 et 3. Donc comme ça, le OH, ben, il aura comme numéro le numéro 1. Donc si on fait l'inverse, donc il a le numéro 3, donc ça ne correspond pas au numéro le plus petit. Donc s'il y a 3 carbones, donc il s'agit du propane. Donc on enlève le E. Et pour indiquer qu'il y a un OH, on ajoute ol à la fin du nom en indiquant sa position. Donc ici, le OH est sur le premier carbone, donc il s'agit du propane 1. Donc ol parce qu'il y a un OH, 1 parce que le OH est sur le premier carbone, et propane parce qu'il y a 1, 2, 3 carbones. Alors, on va voir le deuxième exemple. Donc ici, pareil, hein, donc on va chercher la chaîne la plus longue. Donc la chaîne la plus longue contient 4 carbones. On peut prendre soit cette chaîne ici, soit cette chaîne là. Donc, on va prendre le plus simple, hein, on va prendre cette chaîne. Donc même chose, hein. Donc il faut numéroter la chaîne de manière à ce que le OH ait le numéro le plus petit. Donc le OH est ici. Donc si on met le carbone numéro 1 ici, donc ça nous donnera les numéros les plus petits. Donc ici carbone 1, donc 2, 3, 4. Donc il y a 4, j'ai numéroté la chaîne. Il faut maintenant donner un nom. Donc pour donner un nom, je me base sur la chaîne la plus longue. Donc la chaîne la plus longue comporte 4 carbones, donc il s'agit du butane. Donc le nom va contenir butane. Ensuite, il faut indiquer que ben, y a un OH, donc ça va être un butaneol, pour indiquer qu'il y a le OH. Donc on va commencer par ça. Donc ici, comme le OH est fixé sur le premier, donc ici ça va être le butane-1-ol. Ensuite, il faut indiquer qu'il y a un CH3 qui est fixé sur la molécule. Alors, un CH3, donc c'est un groupe méthyle, et le groupe méthyle est fixé sur le troisième carbone. Donc, pour dire que le méthyle est sur le troisième carbone, on ajoute au nom, donc 3-méthyl-butane-1-ol. Donc, récapitulons, hein. Donc 3 méthyle parce qu'il y a un CH3 sur le troisième carbone. Butane parce que dans la chaîne principale il y a 4 carbones et butane 1-ol, le 1-ol veut dire qu'il y a un OH sur le premier carbone. Alors, troisième molécule, hein. Donc ici nous avons toujours un alcool, hein. Donc il y a un OH fixé sur un carbone et le carbone est tétraédrique, c'est-à-dire relié à un H, relié à un CH3 et relié à une troisième chaîne de carbone. Donc il s'agit bien d'un alcool. Donc il faut chercher la chaîne la plus longue, hein. Donc ici, la chaîne la plus longue comporte 1, 2, 3, 4, 5. Si on prend cette chaîne-là, elle ne comporte que 4 carbones. Pareil, cette chaîne-là ne comporte que 4 carbones. Donc c'est là bien la chaîne la plus longue, hein. On numérote ensuite de manière à ce que le OH ait le numéro le plus petit. Donc ici, le OH se trouve ici. Donc il faudra rajouter ol à la fin du nom. La chaîne la plus longue est là. Pour qu'il ait le numéro le plus petit, il faut qu'il ait le numéro 2. Si on numérote dans ce sens-là, donc ça va être 1, 2, 3, 4, 5, donc il y aura le numéro 2. Si on numérote dans l'autre sens, 1, 2, 3, 4, mais il y aura le numéro 4. Donc on numérote dans ce sens-là. Donc
Carbone 1, 2, 3, 4, 5. Donc on donne le numéro le plus faible toujours au groupe OH. Après, si on a le choix pour le groupe CH3, donc on va lui donner, on va numéroter dans le sens où c'est le plus faible. Donc on verra un exemple ensuite, hein. Donc ici, donc on a numéroté la chaîne. Donc il y a également un groupe CH3, donc c'est-à-dire un groupe méthyle, qui se trouve sur le troisième carbone. Alors, on va nommer cette molécule, hein. Donc comme la chaîne la plus longue comporte 5 carbones, il s'agit du pentane. On va rajouter ol pour dire qu'il y a un OH. Donc il s'agit du pentane tiré de ol, parce que le OH est sur le deuxième carbone. Ensuite, donc une fois qu'on a nommé la chaîne et le OH, il faut indiquer qu'il y a un CH3 sur le troisième carbone. Alors pour indiquer qu'il y a un CH3 sur le troisième carbone, donc on ajoute au nom 3-méthyl pentane 2-ol. Donc la molécule est le 3-méthyl pentane 2-ol. Donc pentane parce qu'il y a 5 carbones dans la chaîne principale, 2-ol parce que le OH est situé sur le deuxième carbone, et 3-méthyl parce que le CH3 est sur le troisième carbone. Donc on va voir maintenant un autre exemple, hein. Alors, quatrième exemple, donc toujours une molécule d'alcool, hein. Donc il y a un OH fixé sur un carbone tétraédrique, donc celui-là, donc relié à quatre groupes différents, donc il s'agit bien d'un alcool. Ensuite, donc première étape, chercher la chaîne la plus longue. Donc ici, on peut prendre soit cette chaîne-là, ou cette chaîne-là qui comporte toujours donc 5 carbones, hein. Donc ici, je vais numéroter. Il faut donner au OH donc le numéro le plus petit. Donc si je numérote dans ce sens-là, donc ça va être 1, 2, 3, 4, 5. Donc il aura le numéro 4. Si je numérote dans l'autre sens, il aura le numéro 2. Donc on va le numéroter dans ce sens-là. Donc ça va être le carbone 1, 2, 3, 4 et 5. Donc une fois que j'ai numéroté donc la chaîne, il y a 5 carbones, donc ça va être un pentane. Pentanol, donc pentane 2-ol ou 3-ol. Donc ici, comme le OH est fixé sur le deuxième carbone, il s'agit du pentane 2-ol. Donc j'écris déjà pentane-2-ol. Ok. Il faut maintenant indiquer qu'il y a des CH3. Donc il y a un premier CH3 sur le carbone 3, enfin sur le carbone 4, et il y a un CH3 sur le carbone 2. Donc pour nommer donc les deux enfin les deux CH3, donc comme il y en a deux, donc on va mettre diméthyle, le 10 signifiant qu'il y a deux fois le groupe méthyle, hein, et il faut indiquer leur position. Donc le premier est sur le carbone 2 et le deuxième est sur le carbone 4. Donc on note, donc on ajoute au nom, donc 2,4 tiré diméthyle, donc diméthyle pentane de 2-ol. Donc on ne met pas de E à la fin de méthyle ici. Pareil, on ne met pas de E aussi à la fin de pentane. Donc on va voir maintenant donc un exemple de molécule, mais en formule topologique. Donc la formule topologique permet de représenter la molécule sans avoir à écrire donc les hydrogènes, hein. Donc ici, on veut nommer cette molécule. Donc il s'agit bien d'un alcool, hein. On voit que comme au niveau du carbone ici fonctionnel, il n'y a pas de double liaison ni de triple liaison, donc il s'agit bien d'un alcool, hein. Donc pour nommer, donc on va commencer par chercher la chaîne la plus longue, hein. Donc la chaîne la plus longue, elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tous les autres chaînes en fait ont moins de carbone. Donc on a trouvé la chaîne la plus longue, il faut la numéroter maintenant de manière à ce que le OH ait le numéro le plus petit. Donc le OH, donc si on numérote dans ce sens-là, le OH va avoir le numéro 1, 2, 3. Si on numérote dans l'autre sens, il va avoir le numéro 1, 2, 3, 4, 5. Donc on numérote dans ce sens-là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc la chaîne principale contient 7 carbones. Donc il s'agit de l'heptanol. Donc heptane, 7 carbones. Donc on supprime le E et on en ajoute un ol. Ensuite, le OH est fixé sur le troisième carbone. Donc ici, comme le OH est fixé sur le troisième carbone, il s'agit de l'heptane 3-ol. Donc on va commencer par écrire ça. Donc c'est l'heptane
tan-3-zol. Ensuite, il faut indiquer la position des CH3. Donc ici, il y a un carbone qui est relié à 3 hydrogènes. Donc ici, c'est un groupe méthyle, c'est un CH3. Ici, ben, il y a un CH3 aussi. Et là, ben, il y a un CH3 aussi. Donc dans la molécule, donc, nous avons 3 CH3. Donc il faut rajouter au nom triméthyle pour dire qu'il y a 3 méthyles. Donc on rajoute donc triméthyle. Donc ça va être le triméthyle pentane 3-zol. Et il faut indiquer la position des 3 groupes méthyles. Donc le premier était en position 2. Ensuite, il y en a un en position 4 et l'autre en position 5. Donc on va rajouter avec des virgules. Hein. Donc 2,4,5-triméthylheptane-3-zol. Alors il nous reste maintenant un dernier cas à voir. Hein. Donc la molécule n'est pas très compliquée. Hein. Donc il s'agit de cette molécule où il y a deux carbones. Hein. Donc on recherche la chaîne la plus longue. Donc ici, donc il y a un OH. La chaîne la plus longue comporte deux carbones. Hein. Donc si elle comporte deux carbones, donc on va numéroter de manière à avoir pour le OH le numéro le plus faible. Hein. Donc ici 1 et 2. Donc comme il y a deux carbones, il s'agit de l'éthane. Ensuite, donc on devrait appeler cette molécule l'éthane 1-ol. Mais on remarque que si on met le OH sur le carbone 2, en fait, c'est la même molécule. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de numéroter éthane 1-ol ou éthane 2-ol, parce que quand on retourne la molécule, on a la même molécule. Donc en fait, ici, donc, on appelle cette molécule tout simplement l'éthanol. Donc sans préciser la position du groupe OH, parce que de toute façon, il n'y a qu'une seule position possible. Donc c'est pareil pour les autres molécules. Hein. À partir du moment où ça ne sert à rien de mettre le chiffre, parce qu'en retournant la molécule, on obtient la même chose. Donc on ne met pas le chiffre qui correspond. Donc voilà, c'est tout pour les alcools.